Bonjour à tous, ici le salut Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Vous avez beaucoup aimé ma vidéo question à Ryu-sensei, donc j'en propose une autre. Vous connaissez le concept des questions One Piece en commentaire, j'y réponds avec un avis ou une théorie. N'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire. Quand au préalable j'ai ce qu'il faut pour théoriser, je le fais. C'est toujours un très grand plaisir. Aujourd'hui on va notamment parler du Fruit Zero, du niveau de Rayleigh et d'autres choses encore. Merci pour le pouce bleu et merci pour le soutien. C'est parti. Saute. Alors là, on a une question qui est revenue pas mal de fois. On me demande le niveau actuel de Rayleigh et son niveau prime par rapport à Shanks. J'en profite donc pour faire un bon gros point sur Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Rayleigh a un statut particulier. En fait, c'est le second du roi des pirates, Goldie Roger. Tout le monde s'accorde à dire que ce statut bien particulier fait qu'il est supérieur aux autres seconds. Tout le monde l'utilise comme argument, à juste titre, parce qu'il est le second du roi des pirates. Le problème, c'est que certains disent ceci, en disant également que Newgate surpasse Roger. Sauf que ça bloque. On ne peut pas dire que Rayleigh est hyper puissant parce qu'il est le second de Roger, et dire que Newgate surpasse Roger. Le fait d'avouer que Rayleigh est spécial place automatiquement Roger au-dessus des Yonko. Ce qui est vrai. Marco égale niveau commandant amiral. Kizaru dit être incapable d'arrêter Rayleigh vieux. Donc Rayleigh prime est bien supérieur à Marco. Donc dire que Rayleigh est spécial de par son affiliation avec Roger fait avouer à tout le monde que Roger surpasse tous les empereurs. Ce qui est bien sûr factuellement vrai parce qu'on l'a beaucoup vu et prouvé. Le titre de Barbe Blanche n'étant pas un argument. Il fait référence à une vie de pirate et pas un niveau de puissance. Je vais réutiliser une de mes formules mais cette fois je vais bien imager. Un niveau empereur comme Barbe Blanche ou Kaido, un second de niveau second empereur. Comme Marco et King. Un niveau supérieur à un niveau empereur comme Roger ou Xebec, un niveau de second supérieur à un niveau second empereur. Comme Rayleigh pour Roger et pour Xebec, ça arrive. Prenons Kaido. Kaido a un second de niveau second empereur. On est d'accord. Il est impensable d'affirmer que King a le niveau d'empereur. Il a un niveau de second. On a donc là une configuration classique avec un empereur et un second. Un niveau empereur et un niveau second empereur. Maintenant, si on regarde Roger, donc le roi des pirates, on a un second qui est supérieur à un niveau second empereur. Comment l'expliquer? Eh bien oui, le capitaine est supérieur à un empereur. C'est totalement logique et totalement cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on sait. Donc oui, Rayleigh a un statut bien particulier. À son max en puissance, Rayleigh est le niveau d'empereur. Il y a beaucoup d'arguments, mais en voici deux. Premier argument factuel, malgré qu'il soit vieux, 76 ans, Kizaru, donc un amiral, dit être incapable de l'arrêter. Second argument factuel, Garp dit que la marine est incapable de s'occuper de Newgate et de Rayleigh en même temps. Donc factuellement, à son max en puissance, Rayleigh est le niveau d'empereur. Mais alors, maintenant qu'il est vieux, quel est son niveau? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que factuellement, avec l'âge, on perd en puissance. Dans un SBS, l'auteur parlait de vigueur, mais ça a été mal interprété. En fait, il ne parlait pas de puissance, et dans le manga, il le dit. Garp dit qu'il a perdu en puissance avec l'âge. Don Shinjao le dit. Rayleigh le dit. Akai nous le dit pour Newgate. Donc, factuellement, on perd en puissance avec l'âge. Ce qui est bien sûr normal. On se rapproche d'une fin de vie. Le pire avec Rayleigh, c'est un manque d'activité. Il n'a pas tenu un sable depuis longtemps. Donc, de facto, Rayleigh n'a plus le niveau d'empereur, actuellement. La question est donc, est-ce qu'il est beaucoup moins puissant qu'à l'époque? En fait, Rayleigh a actuellement un niveau intermédiaire. Il est entre niveau commandant amiral et niveau empereur. Voilà pourquoi Garp affirme que la marine ne peut pas s'occuper de lui et de Barbe Blanche en même temps. Voilà pourquoi un amiral tout seul dit être incapable de l'arrêter. Il faudrait donc deux amiraux pour l'arrêter. Deux, comme pour un certain Shiki. Quand je répète que l'auteur est toujours cohérent, ce n'est pas pour rien. Par contre, Rayleigh n'a plus niveau d'empereur, mais il a niveau intermédiaire. Donc forcément, les deux amiraux auraient plus de chances de gagner. Je schématise un peu, mais c'est comme si Rayleigh valait actuellement un amiral ennemi. Forcément, un amiral seul ne peut gagner. Allons plus loin. Rayleigh aurait mis un peu de temps, mais il aurait battu Kizaru. En fait, Rayleigh veut juste qu'on laisse tranquille. Donc aucun intérêt à démolir un amiral. Pour l'arrêter, la marine aurait dû envoyer deux amiraux. Tu retires deux amiraux à Marineford, et tu te fais démolir par Barbe Blanche. Donc maintenant la question c'est Rayleigh prime contre Shanks prime. En fait c'est le même niveau, niveau Yonko. D'ailleurs ils ont les mêmes caractéristiques. Gros haki des rois, grande force brute, combat avec épée, gros haki en général. On peut voir les choses de plusieurs façons différentes. On peut se dire que Shanks n'a jamais atteint le niveau de son maître. On peut se dire qu'il a parfaitement égalé ou qu'il l'a surpassé. Dans une vidéo précédente on parlait de Roger par rapport à Shanks. Mais pour Rayleigh c'est différent. Après avoir longuement réfléchi j'estime que Shanks prime est légèrement supérieur à Rayleigh prime. Et quand je dis légèrement, c'est légèrement. Prime ou prime, d'ailleurs c'est pareil. On le prononce comme on veut. Les deux au niveau de Yonko, mais dans un vrai combat à 100%, Shanks aura un peu plus de chances de gagner. Un tout petit peu. On a là une question par rapport à Zoro.
Va-t-il manger un fruit? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je vais aller plus loin. Tout d'abord, il est un exemple parfait pour ceux qui affirment que c'est débile. Shiryu. Shiryu était juste épéiste, mais ensuite il a mangé un fruit. Shiryu est un second comme Zoro, il est épéiste comme Zoro. King combat avec une épée, mais il n'est officiellement pas un épéiste pur. C'est lui qui le dit, que voulez-vous, c'est comme ça. Il confirme mes propos sur les deux catégories, donc je suis content. Par contre, Shiryu est censé être épéiste pur, parce qu'il n'a jamais montré de haki des rois, et qu'il combat à l'épée. Pourtant, il a mangé un fruit. Entre temps, l'auteur a dit que s'il devait manger un fruit, Zoro mangerait le fruit de Kaido. Par contre, l'auteur précise qu'il préférait qu'un sabre mange le fruit. Pas Zoro, mais un de ses sabres. Donc l'auteur avoue très implicitement que Zoro avec un fruit, c'est compliqué. En tout cas, ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. De toute façon, rien n'empêche pas actuellement Zoro d'en manger un. Quand tu suis la voie du sabre, il faut que tu tires quasiment toute ta puissance des sabres. Par contre, l'un n'empêche pas l'autre parce que Zoro a le haki des rois. Il devait devenir le meilleur épéiste au monde sans haki des rois, donc c'est un pouvoir en plus. Maintenant, ça dépend de ce que tu fais du haki des rois. Tu peux combattre juste aux lames ou combattre au corps à corps. Le fait que Mihawk n'ait jamais parlé du haki des rois à Zoro, c'est vraiment fou. Ça montre que c'est à dissocier du maniement et ça suggère que Mihawk ne l'a pas. En tout cas, elle peut très bien devenir le meilleur épéiste au monde puis combiner cette maîtrise avec d'autres pouvoirs. On a l'exemple du haki des rois, mais ça peut être un fruit. Pourquoi pas? Maintenant, pour l'image de Zoro, c'est bien sûr très compliqué. Encore une fois, c'est possible, mais les chances sont minces. Pour ceux qui ne sont pas à jour, je ne vais pas spoiler les chapitres récents. Par contre, ce que je peux dire, c'est que désormais, il y a un niveau intermédiaire qui a été confirmé. C'est-à-dire qu'actuellement, il est entre niveau commandant amiral et niveau empereur. Il aura bientôt la pleine puissance d'un Yonko. Ça fait 3 ans que j'en parle, et ça arrive enfin. Donc, comme il a un niveau intermédiaire, il est de facto supérieur à un amiral. Tout simplement. De toute façon, c'est la suite logique après Katakuri, un entraînement et des gros combats en conditions réelles. Un vrai combat serait l'amiral contre Zoro ou Sanji. Là, on aurait un vrai combat. Monkey. J'en profite pour une question qui est liée. Va-t-il combattre Big Mom? En fait, après Kaido, il n'y a pas d'intérêt à combattre Big Mom. Aucun. Après Kaido, ça ne sert à rien. Il est légèrement supérieur à Big Mom. Il a dit qu'il veut la battre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il le fera. Les choses évoluent, et contre Kaido, il peut s'en rendre compte. Surtout si elle perd contre quelqu'un d'autre, ou qu'il la démolit en même temps. Parfois il exagère, parfois il change d'avis. Exemple d'exagération, il a dit à Cracker, je vais t'envoyer au bout du Nouveau Monde. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Exemple de changement d'avis, la puissance ne m'intéresse pas, puis la puissance m'intéresse. Luffy est un homme, donc tout ceci est normal. Totalement normal. Est-ce qu'on n'aurait pas plus tard une relation Roger Newgate, mais pour Luffy et Kid? Luffy est le Roger nouvelle génération. Tout le monde le sait. Mais alors pour Kid Barbe Blanche, c'est compliqué. Actuellement, Luffy est bien trop loin par rapport à Kid. Force brute, haki, forme, tout ça, tout ça. On en a déjà parlé. Par contre, là-bas, c'est pareil pour Roger et Barbe Blanche. Il a battu Xebec qui était supérieur à Barbe Blanche. Par contre, mis à part Kid, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Barbe Noire est à Luffy ce que Xebec est à Roger. Un homme plus puissant qu'il faut surpasser. Xebec était à la base plus puissant, mais Roger l'a surpassé. Maintenant, oui, Kid peut être à Luffy ce que Newgate est à Roger. Une question par rapport à Xebec justement. Pourquoi est-ce que j'affirme que Roger l'a battu seul? Eh bien c'est très simple. Dans la bataille, il y avait l'équipage de Xebec. Donc forcément, Garp a combattu quelqu'un d'autre. Le capitaine combat le capitaine en 1 contre 1. C'est comme ça. Les marines peuvent combattre à plusieurs contre 1 comme Garp et Sengoku contre Shiki. Mais alors un capitaine pirate doit gagner seul. C'est comme ça. Le but de la marine, c'est d'arrêter les pirates. Donc un 2 contre 1, c'est pas dérangeant pour eux. Par contre, un capitaine pirate doit prouver qu'il est meilleur que l'adversaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luffy. Il faut se plaindre à lui si on n'est pas d'accord. Alors là, on n'a pas vraiment une question, mais une réaction à ce que j'ai dit. Tu dis que Shanks est le plus puissant, mais tu dis que les Yonko ont le même niveau. Alors en fait, à la base, les niveaux Yonko, commandant, tout ça, je les ai inventés pour les vidéos. À ma connaissance, parler en niveau par rapport à One Piece n'était pas très répandu. Du moins avant que j'en parle. Ça parlait peut-être de niveau Yonko, mais par rapport aux amiraux, commandant, tout ça, pas vraiment. Maintenant que j'ai popularisé ça, beaucoup en parlent, en tout cas sur Internet. Mais généralement, si on parle de puissance avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux ou YouTube, il ne parlera pas réellement de niveau. Ça peut arriver, mais c'est rare. Qu'est-ce qu'un niveau de puissance? Eh bien, niveau, c'est permet de savoir quel personnage a environ le même niveau global qu'un autre personnage. On a donc des groupes de persos de niveau équivalent. Équivalent ou très proche. Maintenant, comme j'ai toujours dit, dans un niveau, on a une hiérarchie. Un classement par puissance. La différence peut être mince, mais on a quand même une différence. Donc oui, les 4 empereurs ont le même niveau. Le niveau empereur. Par contre, ils n'ont pas exactement la même puissance globale. Tout simplement. Il fut un temps où dans Dragon Ball on parlait en unité. Et bien dans One Piece il n'y en a pas, donc je parle en niveau puis je classe. Voilà pour la clarification par rapport au niveau de puissance.
Une question par rapport au choc Barbe Blanche contre Shanks. Pourquoi pas de Haki des Rois offensif? Tout d'abord, c'est pareil que Kaido et Big Mom sur Onigashima. Il n'y en avait pas. Maintenant, par rapport à Newgate, malheureusement, il était malade. Donc, par rapport au Haki des Rois, c'est chaud. Il ne pouvait pas réellement l'utiliser, sinon il l'aurait fait sur Marineford. C'était donc impossible pour Shanks contre Barbe Blanche. Par contre, le combat Kaido-Big Mom était en off-screen. Donc, ils ont pu l'utiliser en off-screen. Par contre, pour Barbe Blanche, malheureusement, il ne pouvait plus en faire usage. Qui est le plus puissant entre King et Katakuri? Ce combat est très intéressant. On a un même niveau et un même poste. Mais en termes de capacité, c'est encore plus intéressant. Les deux sont spécialisés dans un haki différent. Katakuri encaisse difficilement, mais il esquive très bien. King encaisse très bien, mais il esquive difficilement. On aurait donc un excellent combat. En tout cas, j'aimerais le voir. Tout dépend de si King peut bien toucher Katakuri ou pas. Dans le cas contraire, c'est compliqué pour lui. Maintenant, la défense de King fera que Katakuri sera en galère. Je ne donne pas de vainqueur parce que ça dépend du haki de King. J'en reparlerai sûrement un jour. Allez, Jane, tu n'auras pas orgueil de me vider pour rien.